Salut à tous, une vidéo qui va vous parler de l'Emabuntus Debian Edition 2e, deuxième du nom. C'est une sa version débianisée de la Emabuntus, une distribution qui se destine à recycler des machines entre 5 et 10 ans d'âge pour les personnes qui n'ont pas envie de dépenser des milliers et des cents dans l'achat d'une machine, d'ordinateur. Je participe de temps en temps au bêta test, mais là, j'ai pas eu l'occasion de y participer pour cette version. Malheureusement, je n'ai pas pu apporter ma pierre autant que j'aurais voulu, donc je me suis dit je vais compenser en parlant de la version finale. Dans le descriptif, vous trouverez tous les liens, dont un article de blog lié à cette vidéo. Donc, voyons notre publication. La Stretch est sortie, la MAB 2, basée sur Stretch, est sortie le 2 octobre. Donc là, je vais mettre un peu plus gros. 32-64 bits, basé sur Debian et XFCE. Faciliter le reconditionnement des ordinateurs. C'est le but d'origine de la distribution. Et c'est pas plus mal que ça. Donc là, je vous envoie au descriptif. Donc on peut s'apercevoir que c'est basé sur la 9.1 Stretch, avec le support de l'UEFI, superbe. Des fonds d'écran réalisés par Odysseus. Un script d'installation pour les logiciels non libres, ajout d'un livre d'Hervé Le Carré, mise à jour des débutants, avec des débutants de notre ami Arpinux, voilà. Et suppression de certains logiciels pour gagner la place, parce que l'ISO pèse quand même 3,7 Go. Elle était un peu lourde. Donc ce que j'ai fait, c'est lancer l'installation, et vous le voyez, bon, là j'ai terminé presque l'installation. Mais vous voyez, c'est l'installateur classique de la Debian. Donc, je remets en route et je vous montre la post-installation. J'espère que le retrait des paquets live ne sera pas trop long. Mais en gros, l'installation a pris une quinzaine de minutes. Et bien sûr, j'essaie toujours de... Voilà. Vous voyez un petit peu l'ISO, comme vous voyez, elle pèse à 3,75 Go. J'ai récupéré via Torrent, c'était plus pratique. Alors, quand tu veux pour finir le retrait des paquets live. Donc, le temps que ça finisse, je vous explique en gros. C'est une Ubuntu, enfin une Debian XFCE avec une présentation à la Mac, avec un doc qui est personnalisable, tout bazar. Je m'excuse si j'avais un peu enroué, j'ai chopé une sacrée crève, donc je m'excuse si je parle du nez dans cette vidéo. Et c'est là qu'il met trois plombes. La masse, c'est-à-dire... Ah, voilà. Donc, l'écran de démarrage est celui d'un bien classique, et je passe en plein écran. C'est plus pratique. Donc on se connecte. Donc ce qui est sympa, c'est que le support du plein écran est bien pris en compte. Voilà, donc on va valider, merci. Le premier démarrage. Tout est déjà automatisé. C'est quand même sympa.
Non, je ne veux pas de la lecture d'écran. Donc, pour les ordinateurs avec les deux choix, soit le menu classique, soit le menu Whisker, en fonction de la capacité de stockage de votre ordinateur. Comme j'ai 2 Go de mémoire dans cette machine virtuelle, je vais prendre Whisker. Donc, on a le choix entre plusieurs fonds d'écran. Voilà, c'est celui-là par défaut. Et ma Ubuntu classique avec mon fond d'écran bleu, logiciel libre, ombré, 3 logos, logo, blablabla. Je vais prendre celui-là. On peut choisir les images sur l'économiseur d'écran. Je prends celui-là. Non, je vais prendre le. Oui, je veux. C'est-à-dire que je ne veux pas que ce soit automatiquement chargé, enfin, que la connexion automatique se fasse. Je vais activer le dock. On va le verrouiller, comme ça au moins, ça me sécurité. Et là, on a toutes les options. On a 3 niveaux. Soit la totale, soit le niveau intermédiaire, soit le niveau minimal. Soyons fous furieux. Même dans le meilleur des mondes, il y a besoin d'avoir les logiciels non libres. Donc, on va prendre la totale. Même si c'est pas bien, ça permet toujours d'être tranquille. Vous voyez, le dock est quand même pour la version complète, il n'est pas ultra surchargé. On est loin de certaines horreurs dont je tairai le nom. Donc là, j'espère qu'il ne s'est pas planté non plus, l'assistant. L'installation des paquets. Si on peut toujours passer, on peut toujours le récupérer par ici. Voilà, par ici. On peut toujours passer par là pour récupérer les logiciels non libres. C'est un peu long, désolé. Mais vu que je demandais la totale, c'est normal. Qu'il pourrait y avoir plus long. Largement plus long. Tout cas, l'installation, l'assistant d'installation fait bien son boulot. Il fait ce qu'on lui demande, il fait ce qu'on lui demande et c'est le principal. Là, juste cette petite fenêtre qui est un peu effrayante, mais c'est rien de bien mortel. C'est l'installation des polices Microsoft. Qui a dit qu'il n'y avait jamais de mise à jour sur Debian ou rarement? On ne s'occupera des mises à jour après. Là, on va nettoyer les polices, enfin les polices, les langues inutiles plutôt, pardon.
français, enfin espagnol, anglais, italien, allemand, portugais, arabe. Enfin, on veut dire ce qui est inutile par rapport à notre utilisation. Voilà, je ne fais pas de faute dans le mot de passe, ça sera mieux. Même si ce n'est pas indispensable, ça permet au moins de libérer un peu de place. Le nombre de langues qu'il a supprimées, ça risque d'être un peu long. Là, vous avez en bas le Cairo, doc, mais vous avez aussi le menu Whisker, si vous préférez. Vous permet d'avoir accès à tout. Vous voyez, il y a quand même pas mal de petits trucs. Rajouter les favoris par défaut, ce qui permet de faire pas mal de choses dès le démarrage. Je me demande si on peut gérer le Cairo Dock. Pendant que c'est en plus. Ah, superbe. Change de niveau. Je vous montrerai après la différence entre les différents niveaux du Cairo Dock. Là, c'est le complet. Qui peut être un peu fouillis pour certaines personnes qui peuvent prendre peur. C'est quoi toutes ces icônes? C'est vrai que la post-installation peut paraître un peu longue, mais quand on voit tout l'équipement logiciel qu'il y a derrière, on se dit c'est un mal pour un bien. Normalement, il a dû terminer. Donc, on va s'occuper des mises à jour. Ça. 21. Donc, il y a Chromium, Firefox avec sa traduction, QEMU. Ah, tiens, j'aime pas qu'il y avait QEMU installé. Bon, on va installer tout ça. Même si c'est une nouvelle version, il y a toujours QEMU. Pendant qu'il met les mises à jour, on va voir la Logitech. Donc, Firefox OSR, bien sûr. Communication, on a Thunderbird, Evolution, Chromium, Pidgin, Skype. Donc, pour une personne qui utilise Skype, c'est déjà préinstallé. Jitsi. Je reviens sur certains trucs. La bureautique. Nous avons par défaut des dictionnaires. Je crois qu'il y en a plusieurs. Voilà. Donc, vous avez Verbis, dictionnaire, le conjugueur, voici Extranet. Hop ça. C'est pas ça que vous voulez faire, c'est ça, voilà.
Donc, on a ensemble LibreOffice, on a Genie, Scribus, la calculatrice. Vous marquerez la disparition d'un WordPress avec numérique. Il y avait des petits bugs, ce qui a entraîné leur disparition. Donc, LibreOffice, c'est une version 5.1 de mémoire. Une 5.2, je ne sais plus. Déjà, une version 5, c'est déjà pas si mal que ça. Déjà, tu as tout en français. 5.2, c'est très bien. Dans tout ce qui est audio, donc on a Audacious, Clémentine, Jpoder pour les podcasts, Audacity, Radio Tray si vous aimez la radio, Soundresor, EasyTag, Caffeine. Voilà. Vous avez quoi, toujours tout l'audio. La vidéo, on a VLC, Cheese pour les webcams, Caffeine, Freetux TV, WinFF, Kazam. Oui, il y a pas mal de petits trucs. Hein. C'est du prêt à l'emploi. Shoutwell, Photox, Picasa, même s'il commence à être un peu obsolète, Pinta, Inkscape. Tout pour graver et émuler les CD. Tout ce qui est loisir, comme gérer ses comptes bancaires, c'est loisir si on veut. Tout ce qui est généalogie. Voilà. Il y a pas mal de petits trucs. Ok, c'est bon, merci. Tout ce qui est éducatif. Même une version adaptée d'OpenOffice pour les enfants. Tout ce qui est utilitaire. Voilà donc des outils apparentés. Vous voyez, il y a quand même de quoi faire. Et si vous êtes encore plus. Vous avez besoin encore plus de place sur votre disque et en mémoire vive, vous avez XD. Je n'ai pas tenté l'installation pour le moment, ça ne m'intéresse pas vraiment. Les outils de maintenance, BleachBit, ça par contre, je ne suis pas super fan. Vous avez tout ce qu'il faut. TeamViewer pour des pages à distance, l'aide en ligne, l'espace de travail, le bureau, les raccourcis, voilà. Vous voyez, c'est quand même pas si mal que ça. On va voir ce que donne la version, dirons-nous, michuesque du dock. Donc, on va prendre le niveau simple. C'est vrai que t'as pas moins chargé. Enfin, t'as pas moins chargé, surtout il y a moins d'options. Toutes les icônes sont là, mais il y a moins d'options. Enfin, certains niveaux sont moins chargés que d'autres. Si on prend la communication, il y a quand même beaucoup moins de trucs. Donc, on va voir comment est configuré Firefox. C'est vrai qu'entre le Michu et le niveau complet, il n'y a que plus d'options apparemment, dans chaque catégorie. Donc nous avons un Firefox 52.4, à ce que j'ai pu voir. Le moteur de recherche Lilo. Côté greffon, on a tout ce qu'il faut pour être tranquille. Me plus. Disconnect. Ouais. HTTPS Everywhere. Un filtre. Block Origin. Ouais. À mort les pubs. Pardon. Désolé. Je nettoyais l'arme et le coup est parti tout seul. Donc c'est sympa là. Le moteur de recherche Lilo qui permet de la financer dans le projet Mabuntu. On va voir maintenant ce que donne le niveau débutant, enfin grand débutant de CareoDoc. Ah d'accord. Ah oui, le niveau grand débutant, c'est un peu comme le niveau Michu, mais
en beaucoup plus réduit, enfin plus réduit encore, sur certains plans. Tout ce qui pourrait provoquer les emmerdes étant désactivé. Ok. Donc je vais repasser en niveau. On va passer au niveau complet. Voilà. On va juste voir deux, trois trucs supplémentaires. C'est vrai, bon, les trucs qui pourraient faire doublon, mais il faut pas oublier que c'est pour des machines qui souvent ont peu ou pas de réseau. Donc c'est mieux d'avoir un réseau faible. C'est mieux quand même d'avoir une installation complète dès le départ, même si certaines personnes pourraient dire, elle est un peu surchargée, je suis d'accord, mais abondance de biens ne nuit pas. Du moins en théorie. Combien pèse l'ensemble installé? 9,6 Go. Bon, c'est vrai, ça peut paraître un peu lourd. Mais quand on voit l'ensemble de la Logitech, c'est pas si lourd que ça. À noter la présence, pour les curieux, des cahiers débutants d'Arpinux. Notre ami Arpinux, voilà. Pour tout savoir sur la Debian. Avec les illustrations de notre ami PA. Voilà. Des tutoriels pour les personnes qui ont envie d'en savoir plus. Je pense que ça va ouvrir un lien internet. Bingo. Il y a Internet interne. Donc mon navigateur avec tout ce qui est en relation avec Mabuntu. On note d'ailleurs qu'il n'y a pas encore de version des Mabuntu basée sur la Xenial Sirius. Est-ce que ça va être abandonné? C'est pas impossible. Des informations, voilà, toutes les vidéos, toute la documentation liée à Mabuntu, images et données audio. Voilà, toutes les informations, les informations liées à Mabuntu. C'est vrai qu'elle peut paraître un peu lourde, mais elle est quand même bien pratique. Si on a besoin de faire de la retouche photo, on peut le faire. Si on a besoin de faire de la retouche vidéo, on peut le faire, même basique. C'est une trousse à outils. Il faut le prendre comme ça. Si on a besoin, si on veut faire un petit peu de dessin vectoriel, on peut. Pour la vidéo, bon, il n'y a pas d'outil de retouche vidéo extraordinaire, mais déjà, au moins, on est sûr et certain de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire facilement. Ne serait-ce que la présence de Skype pour les personnes qui en ont besoin, c'est un bon point. Il ne faut pas être non plus complètement enfermé dans le libre-esprit à mort. Et l'ensemble des services Framasoft. Déjà la présence d'un anti-bloqueur, d'un anti-pub, c'est déjà pas si mal que ça. Donc déjà tous les outils de Framasoft. Il y a quand même pas mal de trucs. Voilà. Donc c'est vrai, il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est une distribution qui est vraiment faite pour les personnes qui ont envie de recycler les machines, qui ont envie d'avoir tout sous la main dès le départ. Bon, l'installation est un peu lourde. Je ne dirais pas le contraire. Mais ça permet de se dire, est-ce que j'ai déjà tel outil installé? Si j'ai besoin d'un client BitTorrent, est-ce qu'il y en a un? J'ai besoin d'un client FTP, est-ce qu'il y en a un? J'ai besoin de Skype, est-ce qu'il est préinstallé ou pas? C'est idéal pour les personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête et de recycler leur machine. Bon, bien sûr, c'est pour les machines un peu vieilles, ça je suis d'accord. Mais ce qui est mieux pratique, c'est qu'on trouve un peu de tout, que ce soit la généalogie, que ce soit du Play on Linux, que ce soit
la guitare, Supertux 2, bref, vous avez que l'embarras du choix. Vous voulez retoucher un peu vos photos? Vous avez Gimp. Vous voulez faire un petit peu de création, un petit peu de dessin? Vous avez Pinta. Voilà. Vous demandez, vous avez, c'est ça qui est bien. Bien sûr, sur un vieux machin de 10 ans d'âge, ça sera un peu limite. Mais sur une machine qui a entre 6 et 10 ans, ça sera parfait. Ah, pas mal la présentation de Gimp. Ils ont mis une présentation qui est assez sympa. Et qui, vraiment, est assez photoshopesque, qui permet justement de rendre peut-être l'interface un peu plus. Ça fonctionne du premier coup. C'est pas mal la présentation. Donc là, j'ai pas grand-chose à rajouter, je vais éteindre ça. Vous avez vu, c'est vraiment une distribution qui est prévue pour être clé en main. C'est vrai, elle est un peu lourde. Désolé, je me répète. Mais elle est pratique, elle est fonctionnelle et elle sert à quelque chose, elle. Elle n'est pas la distribution chargée pour faire charger, histoire de dire, voyez, j'ai fait une distribution, c'est bien pour mon CV. Non. C'est une distribution qui est prévue pour être utile dès le départ. Voilà. C'est pas parce que j'aime bien cette distribution que je lui trace des louanges, mais il faut changer mes sons. C'est du beau boulot. C'est basé sur Debian, donc on est sûr et certain d'avoir quelque chose de stable, sur du stable et du solide. Bien sûr, le contre-coup, c'est que si on a du matos un peu trop récent, ça risque d'être casse-gueule. Mais au moins, déjà, pour une machine qui a entre 6 et 10 ans d'âge, c'est parfait pour les recycler. J'espère que cette vidéo un peu moyenne, dirons-nous, côté longueur, vous aura plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao!